nous en rend long si mais pour nous marcher. Tipa tipa nous poutini nous pour avancer. Avec montagne persécution, marécage douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer nous faire confiance. Même si nous pas de lumière lourd, nous n'a pas besoin d'un bisou. Tipa tipa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et bienvenue à notre Tipa Tipa de ce dernier dimanche du mois de juin qui, comme tous les ans peut-être, va voir des orchestres, des ensembles, va mettre en exergue la musique. Pourquoi ? Parce que mercredi dernier, 21 juin, nous avons célébré le 40e anniversaire de la fête de la musique. La musique, elle est partout, elle est en nous. Elle est autour de nous, surtout en France, puisque c'est vers les années 75 que l'assistant directeur de France Musique avait initié cette journée pour commémorer la musique. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchais sans but au long de l'ennui. Moi qui ne croyais rien qu'à ces petits matins, à l'aube on peut croire aux rêves de gloire. Moi qui ne croyais rien, aujourd'hui crois en la musique, elle se transmet d'âge en âge, comme nous venons de le voir, avec cette chanson de Nicoletta qui avait été reprise et qui était devenue l'hymne des jeunes de la Star Academy. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchais sans but au nom de l'ennui. En 1985, l'année européenne de la musique devient internationale et se propage dans plusieurs pays. C'est ainsi que nous l'avons accueillie chez nous. Nous sommes heureux d'avoir un jeune, puisque nous venons d'entendre un Séga d'antan. Aujourd'hui, sur notre plateau, Keshav Rodji. Keshav, bonsoir. Et alors, où la musique l'y jouait un rôle important dans Où la vie, puisque, où musicien, raconte-nous qui place
la musique et non dans Ouléguer? La musique pour moi, elle est tout le temps en priorité pour moi dans ma vie. Parce que depuis tout petit, quand je fais guitare, ton jeu et la guitare, dans nous la famille, nous sommes bien pauvres. Juste un seul du monde dans nous la famille tient la guitare, pas trop professionnelle, mais les types jouer. Mais moi, pas mes parents, moi, je à faux d'acheter l'instrument pour moi, mais tous les temps, quand tu peux guider ça la guitare, là, me dire, mon vie tous dix fils là, mon vie tonne son là bien. Même quand tu petit, je tout expect un enfant quand pour tu sonnes la guitare, il peut tap tap, il peut jouer brite avec lui. Mais moi, quand tu petit, je me rappelle, mon tonton, tu peux dormir dans la case, tranquille, mon saut la fenêtre, mon rentrer. Mais moi, tu encore coûte. Pour voir si tu peux atteindre ta hauteur que tu n'as pas entendu sur la guitare. Là. Moi, tu sais, tu sais, pas capable. Là, avec les temps, on se saute la fenêtre, mon vinyle, des trois coups, un an, des ans, comme ça, mon respect. Personne ne me connaît qui me tu peux sauter la fenêtre pour mon vinyle. Qu'est-ce que ça, la guitare là, ouais. Ou tu fais une fixation, là, ça, la guitare. Oui. Tellement, moi, tu peux faire les souvent, et personne ne me connaît. Et dans un jour, la fenêtre fermée, mon passeport l'impose, moi, tu dis, Ouais. Ce qui arrive là, ce que mon armée tire ici, arrive que de bande de fil là. Là, moi, tu peux tous, N par N, juste pour moi, écoute son là. Là, moi, ton tonton peut dormir, il tonne la guitare, puis jouer. C'est une trouve, moi, puis jouer. Moi, j'ai un coup de rotin, tout, c'est ça, à cause ça. À cause, moi, jouer la guitare là, mais à cause, façon, moi, je viens, passe pas l'impôt pour jouer ça. Mais là, c'est là, comme moi, je donne du monde, je OK, mais comme moi, personnellement, je commence tout ça, je dis fil, je donne ça, son là, ça, comme je dis, il éveille ça, l'amour, là, pour la musique, là, pour moi. Et surtout, je suis au Music Day. Ah oui, vous venez en juin, ouais. Oui, oui. Pour l'anniversaire. Alors, ça, avec un petit peu de retard, bon anniversaire. Ouais, merci. Mais, bon, je ne connais pas à cause ça, mais ça. Si son la guitare là, ça une déclenche beaucoup d'affaires dans ma vie. Là, comme on rentre dans maternelle, quand tu as fait fin d'année dans l'école maternelle, moi tu gagnes la guitare plastique, fausse. Mm. Mais comme tu peux essayer de jouer, ils sont pas besoin. Mais là, en même temps, on est acteur Bollywood, Charles, quand tu peux jouer violon, moi, je peux prendre un bâton balier coco, je peux prendre la guitare plastique, mon père, c'est tiens son. C'est une autre façon, comment dire, c'est une pousse-moi pour apprendre encore un autre instrument, violon. Pour mes parents, bien, travaillent dur, je ne sais pas, tu peux avoir faute pour acheter un instrument pour moi. Et avec l'âge, avec ça, tu apportes l'âge de 3 ans, 4 ans, maternelle. Mais là, quand on rentre dans le collège, à partir de Formune, là, tu as un groupe socioculturel en Yéta, qui s'appelle Maratha Mandir. Là-bas, ben, là, tu peux organiser un programme culturel pour les jeunes. C'est là-bas que je commence à gagner l'occasion pour rentrer au podium, au stage, pour faire face à l'audience. On apprend à chanter avant. Mais à ce moment là-bas, je me trouve. Je trouvais dans tout cas l'instrument, il me gardait dans le coin. Et quand ben là, j'avais envie une répétition, 11h le matin, moi je le disais. Moi je le disais, premier qui fait, là, là tranquille, je suis tout l'instrument, je venir. Là, là, il y a un camarade là-bas, il dit, ça garçon là, respire 5 minutes depuis centre socioculturel. Là. Mais qui fait divine, il y a temps avant. Là, un zou camarade là, ici, il a assisté, il observe moi. On va te connaître là. Tranquille, mon vini, je donne moi la clé ouverte. Je dis, attends, moi, un bon enfant. Moi, non. Bon, allez, je touche tout l'instrument. Mais c'est bon, comme on peut dire, moi, je touche l'instrument, il part, mais moi, le damage de l'instrument là. Moi, je me familiarise moi avec ça que l'instrument. Alors, vu qu'il nous cause l'instrument, finalement, nous violon. Et donc, nous pouvons écouter jouer un morceau au violon.
Et donc, un très bon morceau qui vous fait que je vais nous là, comment y appeler? L'intitulé Ekpeal Kanagmahe. C'est une chanson evergreen, comment nous dire, par Lata Mangeshkar. Alors, comment dire, ou dire evergreen, la musique qui est dans toute qualité forme, toute qualité, les capables classiques, les capables semi-classiques, les modernes. Mais les jouer aussi un rôle important, au fin de cause, socio-culturel. Mais la musique, les présente aussi dans la religion. Et donc, pour comment on exprime ou la foi à travers la musique Depuis que je suis en Inde, je suis étudié là-bas. Comme on retourne Maurice, c'est normal pareil quoi dans sa centre socioculturel là, comment on dit, là-bas on commence à apprendre. C'est normal l'occasion, une célébration religieuse souvent, et c'est ça une célébration là même qui nous donne l'occasion pour venir pour performer. C'est non des trois les temps nous tiennent faire un programme sur la musique au cœur des religions. Nous écoutons justement ce qui est de religieux et non pour dire leur place de la musique dans nous, la foi, dans nos croyances. La musique elle-même, hein, c'est quand même quelque chose de mystérieux qui est lié avec notre être. Et, par exemple, le souffle. Hein, le souffle. Et le souffle, c'est quelque chose de, qui n'est pas capable de saisir. Et c'est pour ça qu'on croit que c'est quelque chose de divin. Et le chant associé avec le souffle, hein, la respiration. Et quand je lis à la Bible, dans ma première page, dans, par exemple le livre de la Genèse, première page, et non le souffle de Dieu qui plane sur les eaux et qui organise la création. Et ce souffle de Dieu qui, pour nous, les chrétiens, c'est l'Esprit de Dieu, qui habite en chacun de nous, en chaque être vivant. Et c'est grâce à ça qui permet de nous, en fait, exprime nous, qui permet de nous chanter, qui permet de nous faire des affaires extraordinaires. Et nous connaît qui le chant, bien sûr, nous sommes capables de dire tous les animaux de santé, nous sommes capables de dire les oiseaux de santé, etc. Mais le chant, c'est quelque chose de propre à l'humain, vous pensez? Et nous connaissons dès notre plus jeune âge, quand les enfants y commençaient, ensuite un jeune, et nous apprendre à lire avec une technique, quelque part c'est presque naturel. Bien sûr, il y a une sorte fausse, mais je crois tout humain il a une capacité en lui-même pour exprimer à travers le chant. Et je crois que c'est lié pour moi au souffle divin en nous, au souffle de Dieu qui est en nous et qui est quand même assez inexplicable. Nous connaissons quand nous pouvons, c'est le souffle qui nous peut rendre et qui nous pouvons plus santé. Et jusqu'à ce qu'un jour, je souhaitais qu'il nous capable, avec mon Dieu, chante la gloire avec lui, avec mon ange. Alors c'est pour ça qu'il m'a trouvé vraiment associé à ce souffle divin. Et c'est pour ça que la musique est proprement sacrée. Et dans toutes les religions, le chant demeure un chant sacré. La musique lui permet de nous exprimer nous-mêmes, exprime la joie, exprime la douleur, exprime la gaieté, exprime la peur, exprime la passion. Et aussi, quand nous prononçons le nom de Dieu, Om lui-même, entre O et M, il y a un chiffre 3 qui nous habitait à écrire. Ça veut dire quand nous prononçons le O a trois fois plus long que O. Je me donne un exemple. Nous prenons une longue respiration. Nous faisons O. Les rythmes. Et quand nous prononçons ça, nous jouons les différents aspects de l'écho. Quand le son commence, il commence là au niveau de nombril, un chakra. Il monte à travers nos spinal cord, il arrive jusqu'à nos cerveaux. Et quand on arrive le M, quand il commence à vibrer, s'il nous prête bien attention, nous sentons vibration là au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau. Et ce qui nous remarque aussi, il permet de nous reconnecter avec la paix intérieure dans nous-mêmes.
Et pour pouvoir créer la musique, nous avons aussi un moment de silence. L'exemple 2008 ou 2009, tiennant le film Slumdog Millionaire qui vient dans les Oscars, tiennant réseau Pocuti qui gagne The Best Sound Engineer. Parmi d'autres encore, mon cas, je tiens à trois partages d'Oscars. Là, les vins de son acceptance speech, les disent ce qui m'ont besoin de faire bien attention, pour retirer moitié de l'attention, pour venir d'une culture qui, le son universel, home, s'est précédé du silence, et les suivi encore par des plus longs moments du silence. C'est ça qui finit par mettre moi, créer la musique qui m'a amené aujourd'hui mon gars Oscar. Oh, pour pouvoir créer aussi la musique, il demande beaucoup de moments de silence, de contemplation pour la créativité. Et la créativité dans les Védas, les Vins, dans les sept Sare, Gama, Padhanisa, qui nous trouve ça aussi dans Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la même chose. Mm-hmm. Les montées dans le papier à musique, c'est une créalité pareille. Alors, comme a bien dit le père, Védère, c'est qu'il n'y a pas de frontières. Et aussi, à partir de là, les hommes ont fait ce qu'ils appellent rag, les différentes calibrations entre mètres et meters and scale, comme on le dit dans le jargon de la musique. Nous finissons un tal qui fait un beat régulier. Nous finissons en sanskrit un chandas. Et nous avons 8 chandas, 7 principales, nous avons 21 au total. Différentes façons que nous chantons dans différents VSC, dans différents shloks, etc. Paris, tu ressembles à l'église, à ce peuple qui croit en l'amour. Paris, la mort a lâché prise, du tombeau jaillit de nouveaux jours. Marie, toi qui portas le Fils, qui n'était que chair de ta chair. Marie, la source du calice, s'écoule entre tes mains, donne-nous sa lumière. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie. Flambeau de nos prières, clarté dans notre nuit. Nous sommes pèlerins sur la terre, emmène-nous Marie. Nos prières emmène-nous vers lui. La musique lie aussi un moyen de vivre ensemble. Il fait nous mettre sur la table, faire sortir toutes nos émotions, tous nos bons sentiments. Nous appelons ça la musicothérapie. Et donc, nous tiennons faire un programme justement sur la place de la musique comme moyen de réintégration social, nous t'y cause l'atelier Mozart et nous t'y cause le groupe Abin qui aujourd'hui finvin un symbole de l'UNESCO, reconnaître par l'UNESCO. Nous écoutons donc une interview qui Maroussia et Valérie Lemaire qui donne nous ça à l'époque là. Nous on leur prête des instruments. Ce sont des gens qui n'ont pas les moyens financiers d'acheter un saxophone, une flûte, peu importe, donc une guitare. Et l'enfant, il a une sorte de contrat tacite avec nous. Il doit pratiquer son instrument, puisqu'on lui dit, on te prête un instrument, mais il faut que tu travailles. Donc ce travail va venir au fur et à mesure. Et l'enfant accroche. Il accroche parce que dès qu'il va commencer, je ne veux pas parler musique, mais avoir une bonne base, il va rentrer dans un groupe pour pouvoir jouer ensemble. Et ça va développer une passion. Ça va dire aussi, en fait, il y a le côté camarade aussi qui se fait, les liens sont très forts au niveau de Mozart. Donc, évidemment, ils vont éviter de faire des bêtises. Mmh. Parce que quand on a une passion, on va la cultiver, cette passion. Ils ne s'en rendent pas compte, en fait, mais ils vont éviter. Ils ne sont pas dans la rue. Mmh. Mmh. Ils travaillent, on fait beaucoup de sorties aussi, il y a pas mal de choses qui sont faites. Donc, ils ont un lien avec Mozart assez fort. Et puis, en parallèle, il faut s'intéresser aux familles. Je trouve que Mozart, c'est l'aspect social qui n'est pas vu. On voit nos enfants qui partent aux États-Unis, performent au Brésil, un peu partout. Mais il y a un gros aspect social derrière aussi, au niveau des familles. Un petit qui ne va pas bien, on va le savoir. Un petit qui ne travaille pas, qui a un problème au niveau de l'école, on va le savoir. Donc c'est notre rôle, en fait. C'est le rôle aussi
de s'intéresser à cet enfant-là pour savoir. Mozart, c'est carrément une petite communauté maintenant. On a un groupe Messenger, par exemple, où on est joignable, on est toujours joignable. On ne veut pas laisser les enfants être mal. Nous tout le temps référons à nos débuts, quand nous mettons sur place, ça l'appelait la musique, c'était pour le développement Bandi-Bounaveg. Donc, les mêmes philosophies, mais les beaucoup plus larges maintenant avec les enfants. Donc, comme on dit, une série d'expression, c'est théâtre, c'est l'accompagnement scolaire dans la langue maternelle, parce qu'il est important, terrible, quand nous cause l'exclusion, quand nous cause intégration, c'est la vie langue maternelle. Et les sports, les loisirs, les rencontres avec les parents, et nous dans Beaubassin, mais nous aussi dans les mônes, dans le village Les Mônes depuis 2014. Nous t'y invités donc par Trust Fund Le Mône pour faire surtout la ravane avec les enfants Les Mônes qui peut un peu disparaître là-bas. Et puis nous dans Grand B, dans la région Canotte. Et donc, manière, nous étions donc nous dans Beaubassin, dans un peu centre, nous dans les Nôtres, dans le sud. Et ça donne nous une bonne visibilité. Ce qui est les parents ont envie pour les autres enfants. Et quand nous pouvons servir la forme artistique, ça lie un bon support pour un bon développement. Parce que ce qui nous trouvait dans Maurice, c'est que côté académique, il est encore trop présent, ou alors côté culture et loisir, il n'est pas assez présent. Ce qui est vraiment intéressant. Parce que ce qui nous fait dans nos quartiers, il n'est pas suffit. Nous avons une demande pour faire, par exemple, dans Flac. Nous avons une demande pour faire partout, mais nous pas capables. En termes de ressources et en termes de ressources financières et humaines, il n'est pas possible. C'est pour bizin qui, comment dire, l'art et la culture, ils rentrent dans module l'école, dans système l'école. Et pourquoi l'État et le gouvernement reconnaissent ça? Oui. Quand nous causons développement aux enfants, bizin a un côté artistique qui développe l'intelligence comme en bizin. Chave, nous fin arrive la fin de ce programme-là, merci aux présences sur le plateau ce soir. Et donc, le message que nous avons à passer ce soir pour célébrer cette fête de la musique, c'est avec Gérard Lafitte, qui était venu aussi sur notre plateau. Gérard, qui avait composé une chanson sur le Père Laval et qui a composé la chanson que nous allons entendre pour finir ce programme, et c'est le message. N'attends pas qu'il soit trop tard pour faire de la place au cœur de la musique. Merci de votre attention et à dimanche prochain pour un autre programme. N'attends pas qu'il soit trop tard. Tout peut s'arrêter ce soir. Aujourd'hui, t'épargnera la peine de dire ceci. J'aurais dû lui dire que je l'aimais. L'amour a fait le premier pas. Fais autant. De l'Esprit Saint va lui dire ses mots.
n'attends pas qu'il soit trop tard. Tout peut s'arrêter ce soir. Un mot, un simple geste, aujourd'hui. Souffrir, alors tu t'en.